Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, premier vlog de l'année 2022. On est le 2 janvier, le dimanche. Est-ce que vous aussi, vous aviez cru qu'hier, le 1er janvier, c'était dimanche? J'étais la première, mais en fait, c'était trop bien que ce soit samedi. Parce que j'avais besoin de dormir ce matin, du coup, j'ai dormi jusqu'à 10h30. Oh. Et là, il est quasi midi. Il est 11h46 à peu près. Je suis encore dans mon lit, ouais, je suis en train de regarder des vidéos. J'ai une trace là sur le front. J'ai un espèce de bouton cabaret. Mais on va remédier à ça tout de suite. Alors, je vais me lever d'ici 2 minutes après que j'ai fini de faire cette introduction. Programme du jour, c'est changer mes draps. On va changer les draps, on va les mettre à laver. Deuxième programme qui est super triste. On va enlever le sapin de Noël. Ah oui, et entre-temps, il faut que je me pile les jambes. Parce qu'à 15h, je vais aller à la piscine. J'ai mis à recharger mon lecteur MP3 qui va sous l'eau, sauf que je ne sais pas si ça marche. On verra bien. J'irai quand même. Je voulais y aller à 9h ce matin, l'ouverture, mais je dormais encore. Et la piscine rouvre à 15h. Donc je vais aller à 15h. Et aussi, donc avant, il faudrait que je fasse le sapin, que je vide la litière des chats pour pouvoir descendre ça quand je pars. Et aussi, du coup, au retour de la piscine, j'aimerais modifier quelques trucs dans ma collection parce que je me suis acheté le diadème de Serdaigle. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière, ma vidéo sur mes cadeaux de Noël et d'anniversaire, faites pas attention à ma coupe. Vu que je ne l'ai pas eu, eh ben j'ai réussi à le trouver à la boutique Le Repère des Sorciers à Cesson, à Rennes. Il était en rupture sur toutes les boutiques en ligne, même sur Noble Collection, je m'étais mis une alerte. Et je m'étais dit que j'allais voir à la boutique et il l'avait, donc du coup je l'ai acheté. Et il faut que je fasse une petite étagère spéciale Horcrux. Donc du coup, je vais réaménager un petit peu tout ça, virer des livres que j'ai dans ma bibliothèque pour mettre ici. Il faut que je prépare aussi le lot du concours parce que j'ai contacté la gagnante. Si vous avez regardé le dernier Weekly Vlogmas. Et moi, j'avais lancé un concours pour faire gagner un bracelet Anna Luisa. Et du coup, j'ai contacté la gagnante comme prévu hier, le 1er janvier. Elle m'a répondu ce matin avec son adresse. Donc du coup, je vais pouvoir faire partir ça. J'espère demain. Si j'arrive à imprimer un timbre. Donc voilà. Et j'ai aussi vendu un soutif là sur Vinted. Donc il faut que je fasse ça aussi. Voilà quelques petites choses. Et pendant que je serai partie, je ferai. Et quand je serai partie, je pense que je mettrai Créature à bosser. Voilà, Créature, mon aspirateur robot. Si vous avez vu ma vidéo cadeau de Noël. Voilà, je vais mettre mon petit aspirateur robot en marche pendant que je vais partir. Et voilà, donc c'est parti. Il y a Isis. Faut que je monte Isis. Ça va Isis? Tu m'as ramené ta balle? Tu veux que je te la lance? Un vrai chien ce chat. On va changer les draps? Peut-être t'aimes bien quand on change les draps. Ouais, t'aimes bien. Bon, j'ai fait la partie épilation. J'ai changé les draps. Voilà, ça c'est fait. Du coup, j'ai les autres qui attendent là. J'ai lancé une lessive pour laver mon peignoir qui vient de finir. Du coup, je vais lancer les draps direct. Il manquera la litière, mais ça je vais faire au dernier moment avant de descendre. Et là, je vais aller m'occuper du sapin du coup. Je vais lancer la lessive et aller m'occuper du sapin. Comme ça, ce sera nickel pour. Oh là là. Ce sera nickel pour. Pour faire le ménage après. Je vais faire les poussières un petit peu. Et du coup, je laisserai Créature bosser pendant que je suis à la piscine. C'est vraiment trop bien quand même comme petite machine. Ça. Toujours.
Toujours. Est-ce que vous aussi vous retrouvez des trucs de Noël après avoir tout rangé? Bien sûr. Hein? Bien sûr. Bon, il y a des petits trucs par terre, donc je pense que je vais quand même passer un coup de d'aspirateur balai. Et puis voilà, je lancerai l'aspirateur robot quand je serai partie. Mais voilà, ça libère un peu. J'avais mis une guirlande là, elle est partie. J'avais mis un truc là, c'est parti. Là, j'avais aussi mis un truc à la porte, c'est parti. Et le petit cadeau qui était là aussi. Donc voilà, et je vais essayer d'aller ranger ça. Bon, la litière c'est fait. Il est 14h14, il me reste 30 minutes avant de partir. 25 minutes. Je voulais vous montrer ma nouvelle table basse. Je vais vous tourner. J'ai changé ma table basse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais deux petites tables gigognes que j'avais achetées avant de déménager. Et en fait, je ne pouvais plus trop les voir. Ça faisait quelques semaines, moi, que je réfléchissais à changer. Et du coup, je suis partie sur ce modèle que j'ai acheté sur Cdiscount. Et du coup, j'ai vendu les deux autres. Elles sont parties genre dans la journée où je les ai mises. Donc voilà, je l'ai reçue la semaine dernière. Donc je préfère. Comme ça, pour faire des apéros, c'est beaucoup plus pratique parce que les deux autres, c'était petit. Et du coup, elles n'étaient pas la même hauteur. Là, je peux mettre une petite déco, genre des petites bougies, tout ça. L'autre, je ne pouvais pas. Donc voilà, je suis bien contente. En plus, il y a un petit tiroir là. Un petit encastrement là pour mettre comme les télécommandes, par exemple. Donc voilà. La vaisselle est faite, j'ai pas repassé un petit coup, je vais laisser l'aspirateur faire pour voir s'il attrape tout. Tout est propre, j'ai fait les poussières. La lessive est toujours en route. Et du coup, avant de partir, je vais m'occuper du diadème. Du coup, que je vais vous montrer, je suis en train de regarder Sissi. Parce que j'ai regardé la série sur TF1, j'étais un petit peu déçue. Et du coup, ça m'a donné envie de revoir Sissi. Donc, voilà le diadème. Le magnifique diadème et enfin mon linge qui sèche. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toute la partie pouf-souf et la mettre dans ce carré-là, je pense, en mettant les livres derrière d'autres livres. Ou alors je vais les décaler dans ma chambre, je vais voir. Et du coup, faire un coin là, Horcrux, voilà, en gardant la coupe de pouf-souf. Et il y a le carnet de Tom Jedusor et en prenant le médaillon et en faisant un petit coin juste là. Donc du coup, je vais faire ça avant de partir. Tout est propre. J'ai réussi à charger enfin mon lecteur MP3 qui va dans l'eau. J'en ai fait quoi? Il est dans le sac. Voilà, il est là. Et il marche. Donc tant mieux. Moi, je ne peux pas me passer de musique. Il faudrait que je mette d'autres musiques dedans. Mais bon, c'est pas très grave. Il y a une balle qui est arrivée ici. Il faut que je range ça. La baguette passait pas là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la partie où il se lève juste ici et ça rend trop bien. J'adore. J'adore. J'ai pour projet de virer ces trucs-là aussi et les mettre derrière des machins pour aussi faire une partie Harry Potter. Je sais pas encore laquelle. Du coup, je pense que Poufsouffle, ça va rester là étant donné que ça passe pas. Peut-être la partie Animaux Fantastiques. Et du coup, eh ben, j'ai ma partie Horcrux, du coup, avec le diadème qui méritait largement d'aller dans la bibliothèque. J'ai dû mettre un petit truc pour le laisser ouvert comme ça et pas totalement. Le journal de Tom Jedusor, la coupe de Poufsouffle et le petit médaillon. Donc, ça, c'est un faux hein, que j'avais acheté sur Wish ou AliExpress, je crois. Donc, il me faudra un jour les vrais. Donc, voilà. Bon, sur ce, il est bientôt 2h40. Du coup, je vais me préparer. Je vais me faire une petite bouteille d'eau. Je vais mettre les choses en hauteur. Comme ça, créature pourra passer sans problème. Je suis trop contente de la petite étagère Weasley, là.
suis trop contente. Du coup, voilà. Et puis, direction la piscine, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Bon, bah voilà. Je crois que j'ai pas fait semblant. Hein. Je crois qu'il est un peu trop serré, mon masque. Voilà, je suis sortie. Il est quasiment 4 heures. 30 minutes, 1 km, 300 calories plus tard. Mais voilà. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été. Ça fait plus mon opération. J'avais pas pu aller le week-end dernier parce que c'est Noël. Le week-end d'avant, j'avais pas pu aller non plus parce que c'était fermé. Et avant, j'avais pas mon maillot de bain. Et puis de toute façon, je pouvais pas faire de sport pendant le premier mois suite à mon opération. Donc ça fait trop du bien. Voilà. Je pense que je viendrai finalement à 15h les dimanches parce que c'est pas mal. 9h c'est trop tôt, enfin si je suis réveillée je viendrai à 9h, mais là en ce moment j'arrive bien à dormir le matin, donc du coup à une période de 9h j'étais largement réveillée, mais là c'est pas mal parce qu'il n'y avait pas grand monde non plus vu qu'elle passe en plus, et ben voilà, il y a moins de monde en plus encore, donc c'est top, voilà, je vais rentrer, créature est un peu bloquée, là son laser qui est bloqué, mais il a fini, donc c'est top. Voilà, donc je n'ai plus qu'à rentrer et aller le débloquer, je sais pas ce qu'il a, son laser ou je sais pas trop quoi. Mais j'avais regardé, ça s'est lancé 4 minutes avant que je finisse, donc du coup il avait quasiment fini. Voilà, donc j'ai rentré avec cette superbe marque. Bon bah j'ai rien à dire, je viens de relancer le robot, il a tout aspiré. Hein. Nickel, donc il finit, t'es bloqué sous le canapé. Parce qu'en fait le radar il est un peu surélevé par rapport à l'aspirateur, du coup c'est ça qui a dû bloquer, donc voilà. Hein? Bah voilà, il a tout nettoyé tout propre, hein. C'est chouette. On retrouve dans mon lit. J'ai pas fait grand chose du coup en rentrant de la piscine. J'ai regardé Cici, j'ai été me laver. Et voilà, en fait, du coup, je vais clôturer ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. Un peu de rangement, ça fait du bien. Un peu de ménage, ça fait du bien aussi pour bien commencer la semaine. Du coup, bah on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.